Bonsoir à tous, salam alaikum à tous, Azul Fulawen, que Dieu vous bénisse tous et je vous remercie d'être présents ce soir, encore une émission importante parce que nous vivons Oui, Farida, je crois que tu as désactivé ton micro. Bonsoir à tous. Il Oui, semblerait ça y que... est. Voilà, là, Voilà. vous m'entendez. Donc, je Oui, on disais, t'entend. voilà, je resalue tout le monde, le chat. Philly le Guinéen, salam. Il m'entend? Oui, je t'entends. Voilà, Salam salam à alaykoum. Roman. Alaykoum salam à Philly, salam au chat. Bonsoir au chat pour ceux qui ne sont pas musulmans. Mais en fait, le salam peut s'adresser à tout le monde puisqu'il s'agit d'une adresse de paix à celui qui l'entend et qui la reçoit avec bienveillance, évidemment, sans préjugés ni arrière-pensée, ce qui est le cas de mes salutations. Donc, je disais que nous étions dans un live important une fois de plus, puisque de toute façon, on vit une époque importante, probablement une période terminale dans laquelle, les enjeux sont considérables. Et en fait, il n'y a qu'un seul enjeu, finalement, au bout du compte, quand on met toutes les choses bout à bout, c'est le salut de notre âme. Voilà, c'est le salut de notre âme qui est en jeu actuellement dans tous les événements qui se passent dans notre société et dans le monde entier. Alors, je voudrais d'abord vous donner des nouvelles de ma mère. Non pas que je tienne à parler de ma vie, puisqu'il ne s'agit pas de cela, mais parce qu'il y a dans cette histoire, et vous allez évidemment en être d'accord avec moi, une leçon qui nous concerne tous, puisque comme je vous l'ai dit dans le live précédent, elle avait été malheureusement hospitalisée parce que peut-être que la situation l'exigeait, par manque d'oxygène. À l'hôpital, on lui avait donc évidemment immédiatement apposé le diagnostic Covid++. Il y a eu un test qui a été fait PCR, qui celui-ci était négatif. Et quand celui-ci a été négatif, on s'est dit que bon, moi j'étais encore dans mon Morvan où actuellement je vis depuis 4 ans, et donc il n'y avait pas d'urgence, ayant 3 frères et une sœur près d'elle, à ce que évidemment je me précipite dans la situation. Et puis finalement le test PCR négatif est devenu un scanner positif de manière absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'un scanner a été fait, et puis on annonce que bah finalement si ma mère plus est contagieuse plus. Et nécessité plus d'être hospitalisé plus au milieu de ces gens plus. Donc évidemment, moi, j'ai pas marché dans cette combine et j'ai pris mes responsabilités. J'ai fait la démarche d'aller jusqu'à Paris puisque l'hôpital était parisien pour essayer de retirer ma mère de cet endroit, n'ayant absolument pas confiance, évidemment, dans les institutions qui aujourd'hui sont les courroies de transmission de la politique de gouvernement du gouvernement. La politique du gouvernement ici, normalement, on la connaît. En matière de l'enfance, bien c'est la corruption, et en matière des personnes âgées, il s'agit de l'euthanasie, et tout ça dans un contexte d'eugénisme bien mis en place, puisque tout est mis en place aujourd'hui pour tuer aussi bien des enfants dans le ventre de la mère, y compris jusqu'à ceux qui arrivent à terme, que ce soit les handicapés, on l'a vu avec l'affaire Vincent Lambert, que les médias ont prétendu être un légume alors qu'ils ne l'étaient pas, et que c'est la propagande qu'ils ont eu besoin de mettre en avant pour faire en sorte de pouvoir l'achever avec le consentement de tout le monde, parce que le problème, et c'est pour ça que je remercie aujourd'hui Philly d'être venu, vous le verrez pourquoi, tout est affaire de consentement dans cette période terminale, plus que de contraintes, parce que je crois que nous en sommes arrivés aujourd'hui où le démon souhaite notre consentement pour nous damner, l'esclave dans les chaînes, frappé, torturé, contraint, à mon avis, n'est plus un profil qui intéresse ce gouvernement mondial. Ce gouvernement mondial a besoin de notre collaboration. Ce gouvernement mondial a besoin de notre participation. Ce gouvernement mondial a besoin de notre consentement parce que finalement, l'objectif, c'est pas l'argent, c'est même pas le pouvoir sur Terre d'une certaine façon, c'est la damnation de nos âmes. Et lorsque, évidemment, je le dis, certains agnostiques vont lever les bras au ciel, justement au ciel, en pensant que je suis complètement illuminé et que je ne comprends pas les choses comme elles devraient être comprises. Mais en vérité, le temps fera, j'en suis convaincu, qu'un jour ils comprendront ce que nous, les croyants, disons en toute conscience et en toute honnêteté et sans l'arrière-pensée qu'on accorde souvent aux croyants, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, de vouloir mettre en place un pouvoir
Alors, il semblerait, Farida, que tu aies encore coupé ton micro. Donc, ma mère s'est retrouvée prisonnière d'un hôpital parisien et il a commencé à être extrêmement difficile de la sortir de là. Donc, c'est pour ça que je suis intervenue. Et cette intervention auprès de ma sœur en particulier, avec l'accord de mes frères, malgré la polémique initiale, les désaccords, parce que nous ne sommes pas une famille sainte ni modèle, il y avait évidemment, comme dans toutes les familles, des points de vue divergents, des expériences différentes qui conduisaient à une prise de position qui n'était pas unanime. Bien. Alors, avec des hauts et des bas, nous sommes arrivés à sortir ma mère de l'hôpital dans lequel elle se trouvait. Et c'est pour vous dire ce soir que la famille est extrêmement importante parce que si elle n'avait pas eu de famille, cette femme, si cette femme n'avait pas élevé 5 enfants, si cette femme n'avait pas réussi à créer des liens avec eux de telle sorte qu'aujourd'hui, les enfants qu'elle a portés, élevés, puisse lui venir au secours, eh bien, cette femme-là, aujourd'hui, serait livrée, et je pèse mes mots, à une institution médicale qui aurait eu sa peau. Et d'ailleurs, quand elle est sortie de là, elle en avait les larmes aux yeux, elle a remercié le ciel d'avoir de si bons enfants, et elle nous a dit qu'elle était en train de mourir là-bas, enfermée seule, sachant même qu'elle n'aurait pas le droit de visite à 86 ans. Et évidemment, nous avons créé, ma sœur et moi, lors de notre rencontre avec le médecin qui gérait son dossier, une situation où, comme on le dit dans le parent, on lui a fait une proposition qu'il ne pouvait pas refuser. Voilà. Donc la morale de cette histoire sur laquelle je ne vais pas m'étendre parce que je ne veux pas prendre tout le temps de l'émission là-dessus, éventuellement on refera des émissions sur le traitement des vieilles personnes et leur sort aujourd'hui, mais je dis une chose aux parents qui aujourd'hui hésitent par peur ou par lâcheté, par passivité, par faiblesse de protéger leurs enfants, une chose évidente, c'est que si vous ne protégez pas vos enfants, eh bien, ils ne vous protégeront probablement pas quand votre tour viendra d'être dépendant. Alors, à l'époque de ma mère, ces questions de protection, de bienveillance avec les enfants étaient certainement moins aiguës qu'aujourd'hui, où il y a de véritables attaques du gouvernement mondial contre l'enfance. À l'époque de ma mère et de mon temps, comme on dit maintenant, les choses étaient moins dures, moins raides. Mais sachez qu'on sème ce que nous allons récolter. Si vous ne semez pas auprès de vos enfants, et clairement aujourd'hui, si vous ne les protégez pas, si vous ne vous battez pas pour eux, si vous ne vous sacrifiez pas pour eux, si vous ne vous engagez pas pour eux, si vous n'assumez pas vos responsabilités, eh bien aujourd'hui, je peux vous annoncer que votre tour viendra où, comme ma mère, vous serez embarqué dans un hôpital suspect, parce qu'ils le sont tous devenus malheureusement, et vous risquerez d'y mourir seul et abandonné, sans que vos enfants n'aient été élevés de manière assez forte pour qu'ils puissent vous défendre et qu'ils ne s'engagent pas non plus, ne vous ayant jamais vu vous engager vous-même. Donc, ma mère a eu la chance d'avoir des enfants. Excuse-moi, Farida, j'ai un retour d'écho qui vient de chez Philly. Philly, je ne sais pas si tu as un casque ou pas. Si tu as un casque, c'est peut-être mieux d'en utiliser un. Sinon, quand tu ne parles pas, désactive juste ton micro. D'accord. Du coup, on entend le retour de Farida, c'est assez désagréable. Ok, désolé, je coupe. Non, je t'en prie, ce n'est pas grave, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ce que je vous disais pour clore sur le sujet, c'est qu'il a été possible de tirer ma mère de ce guépier. C'était un véritable guépier, un véritable traquenard, que parce que ses enfants ont été finalement convaincus à l'unanimité de devoir la sortir de là et de trouver les conditions de la soigner à la maison, ce à quoi nous sommes parvenus. Je suis donc chez elle pour jouer mon rôle de fille et pour soigner celle qui m'a élevée. Voilà, maintenant on passe à une autre histoire qui est un petit peu toujours dans le même avant de donner la parole à Philly. De toute façon, il va commenter tout ce que je suis en train de dire. Maintenant, on passe à une autre histoire tragique également, mais vraiment tragique. C'est-à-dire que ces derniers jours, je vous l'ai probablement dit, je reçois beaucoup de coups de fil de parents, de mails de parents qui sont dans des situations à chaque fois extrêmement difficiles et qui recherchent des conseils. Donc, je me destine évidemment à leur répondre. Et j'ai eu récemment un mail extrêmement pathétique auquel j'ai répondu et j'ai fini par être en communication téléphonique avec la dame qui me l'avait écrit. Cette dame est une grand-mère, elle s'appelle Sandrine, elle a 50 ans, elle a une fille qui s'appelle Chafali, qui a 19 ans, et le 14 juin, écoutez bien l'histoire, le 14 juin 2020, un mois après la naissance de son fils, la petite Chafali de 19 ans venant d'accoucher d'un petit Jibril a
pris la décision d'aller habiter chez sa mère avec son petit bébé, donc le 14 juin, donc, et ce jour-là, alors qu'elle s'apprêtait à partir vivre chez sa maman Sandrine, à 7 heures du matin, la police a forcé sa porte en présence d'assistante sociale, de l'aide sociale à l'enfance, que vous connaissez bien sur ma chaîne, puisque nous savons, nous, qu'il s'agit d'une institution qui commet énormément de nombreux placements abusifs. Et ce jour-là, le 14 juin 2020, la petite Shafali de 19 ans, alors qu'elle se rendait pour vivre chez sa mère Sandrine de 50 ans, on lui a retiré son bébé de force et le bébé n'avait qu'un mois. La police a forcé la porte en présence d'assistantes sociales et ils sont repartis en laissant Shafali en larmes et même plutôt au bord du désespoir, si ce n'est au fond du désespoir. Depuis, l'enfant a disparu. C'est-à-dire que Shafali et Sandrine ne savent toujours pas où est le bébé, où est leur bébé. D'après l'ASE, le bébé aurait été déplacé plusieurs fois depuis son enlèvement, ça veut dire 3 mois. Depuis 3 mois, on l'a bougé de place à 3 reprises. Il aurait d'abord été placé dans un foyer de l'enfance, à 1 mois, vous imaginez. Ensuite, on l'aurait mis dans une famille d'accueil. Et puis finalement, actuellement, il serait dans un foyer à 4 mois, puisque l'affaire ayant eu lieu, l'enlèvement ayant eu lieu le 14 juin 2020, eh bien maintenant, cela fait 3 mois que le petit Djibril a disparu. Donc moi, j'ai pris la décision en écoutant la grand-mère Sandrine de contacter Maître Hamas, que vous connaissez tous, pour lui demander d'intervenir dans ce dossier. Et pour intervenir dans ce dossier, il lui faut évidemment un budget pour agir. Maître Hamas a donné son accord pour s'occuper de Sandrine, de Shafali et de tenter le tout ce qui est en son pouvoir pour récupérer le petit Djibril. Il lui faut évidemment un budget pour agir, comme tout avocat, on le comprend, pour aider la mère et pour aider la grand-mère, pour aider Shafali et pour aider Sandrine à retrouver Djibril. Je vous demande de bien vouloir participer à la cagnotte que nous venons de mettre en place en collaboration avec Sandrine elle-même et l'un de leurs amis, Rémi. Nous avons créé cette cagnotte cet après-midi avec Rémi, donc Renaud et Sandrine. Et cette cagnotte a pour objectif de récolter le budget dont maître Michel Hamas aura besoin pour défendre la famille de Shafali, de Sandrine et pour récupérer le petit Djibril. En conséquence de quoi, vous allez trouver ce lien sous ce live-là et je vous demande tous de participer, quelle que soit la somme que vous allez mettre, je vous demande tous, parce que c'est ça un mouvement, c'est ça qui vaut la peine de faire des lives, c'est qu'à la sortie, on ait fait une bonne action. Et là, c'est pas une bonne action, c'est une action magistrale si nous sommes capables aujourd'hui, ce soir, demain matin, de partager partout cette cagnotte avec ce live pour faire comprendre que nous ne nous laisserons pas faire et nous ne serons pas individualistes. Nous allons, à partir de maintenant, à partir des propositions que nous allons vous faire régulièrement, créer des liens entre nous qui seront des liens de frères et de sœurs, exactement comme les liens qui m'unissent à mes frères et à ma sœur qui nous ont permis de sortir ma mère de l'hôpital. Si nous n'avions pas eu ces liens-là, ma mère serait en train de mourir dans une chambre d'hôpital où on avait fermé sur elle la porte et où elle pleurait, criait sans que personne ne vienne à son secours. Alors aujourd'hui, cette femme, elle est venue me demander mon aide. Je ne savais pas exactement quoi faire. Je me suis dirigée vers Monsieur Michel Hamas. Monsieur Michel Hamas a accepté de prendre le dossier. Il faut savoir que Michel Hamas, Maître Hamas, a été capable de reprendre un certain nombre d'enfants à l'ASE. C'est en ce sens que je pense qu'il est efficace. Et aujourd'hui, face à ces deux femmes totalement désargentées et qui viennent d'être désenfantées, je vous dis, nous devons tous être avec elles pour récolter la somme d'heures, Romane. Alors, la cagnotte, 6 000 euros. 6 000 euros, ouais, c'est ça, c'est ce que 6 000 voilà, euros. Ce qu'il faut compter pour avoir une défense en liberté, parce que Maître Hamas, on a vu à plusieurs reprises au cours de nombreuses affaires qu'il avait été plus qu'à la hauteur, puisqu'il a permis à plusieurs familles de se réunir, enfin de se retrouver, on va dire. Voilà. Alors nous, on vous appelle, Romane, Philly et moi ce soir, à participer à cette cagnotte. Vous allez la trouver sous le live. Je vous en supplie pour le petit Djibril, pour sa maman Shafali à 19 ans. Imaginez ce que ça peut être comme arrachement
pour une jeune fille de 19 ans, une jeune femme maintenant, puisqu'elle a quand même accouché, elle a enfanté, pour une jeune femme et la grand-mère Sandrine de se retrouver dans cette situation absolument incroyable. Donc aujourd'hui, oui, le tarif est peut-être un peu élevé, mais dans un premier temps, Maître Hamas ne prendra que 3 000 euros et devra, à chaque action supplémentaire, être payé 5 000 euros de plus. Et puis, il y a des frais de toute façon, 500 euros de plus, pardon. Et il faudra être à la hauteur. Mais si on s'y met tous, cette somme sera pour chacun d'entre nous dérisoire, puisque ce ne sera qu'une contribution finalement pour sauver le petit Jibril qui aujourd'hui a 4 mois. Ça fait 3 mois qu'il n'a pas vu sa maman. Sa maman est en train de vivre un cauchemar que je ne peux pas vous décrire. La grand-mère elle-même que j'ai eue au téléphone verse évidemment toutes les larmes de son corps. Nous devons absolument faire ce geste pour Dieu, pour Djibril, pour la jeune femme, Shafila, et pour Sandrine. Et vous verrez que ça va nous revenir parce que cet élan que nous allons avoir pour sauver Djibril des griffes de l'ASE, pour permettre à ce bébé de retrouver sa maman et sa grand-mère, eh bien, c'est un, comment dirais-je, une pierre de plus à l'édifice de notre mouvement. Parce qu'un mouvement pour défendre les enfants, il a besoin de ces actes forts-là. Nous devons les poser sans cesse. Si nous sommes des milliers, on n'a pas besoin d'être des millions. Si nous sommes des milliers, je vous jure que ce mouvement sera efficace parce qu'il sera capable, effectivement, dans les faits, de sauver des enfants, d'avoir des résultats concrets. On ne peut pas se limiter, je le dis souvent, à vendre des conseils très chers, des bouquins, des conférences ou à faire en sorte que de l'argent tombe au cours des lives. Je suis absolument pas d'accord, vous le savez, avec ce type de comportement de la part d'un certain nombre de youtubeurs qui malheureusement sont de plus en plus nombreux. Il existe de l'argent qui vient du peuple. Cet argent du peuple doit être effectivement affecté au combat pour sauver des vies et en particulier pour sauver des enfants. Imaginez Djibril, 1 mois qu'on a retiré par la force des bras de sa maman de 19 ans. Alors qu'elle s'apprêtait à te rendre chez sa mère de 50 ans pour vivre tous les trois ensemble, vous pouvez vous imaginer aujourd'hui que l'argent que vous mettez dans un livre, comme dirait Oum Muslima, au lieu d'acheter un bouquin que vous pouvez presque avoir gratos, parce que de toute façon, tout a déjà été écrit, au lieu d'acheter un livre, eh bien, mettez le prix du livre pour sauver Djibril. Voilà. J'ai beaucoup parlé, je le redirai tout au long de ce live parce que je sais que les gens peuvent l'écouter à n'importe quel moment. Je reparlerai du cas de Djibril, je reparlerai aussi du cas de ma mère pour vous dire oui, ça marche. Lorsque les enfants sont solidaires, unis, qu'ils parviennent enfin ensemble à dépasser leurs divergences, pour l'amour de leur maman, on peut sortir les vieux de l'hôpital et les faire vivre à la maison. Ma mère, en 2 jours qu'elle est sortie désormais de cet enfer, se porte de mieux en mieux. Je ne vous dis pas qu'elle est guérie, elle est très atteinte aux bronches. Nous avons avoir une machine, un respirateur à oxygène qui lui permet de l'oxygéner ici, plus des traitements alternatifs avec des huiles essentielles, du zinc, de la vitamine C. Elle va beaucoup mieux. Elle parvient maintenant à dormir entre 3, 4, 5 heures, alors qu'avant, elle ne pouvait pas dormir une demi-heure tellement la toux l'empêchait effectivement de s'endormir et lui arrachait les poumons. Maintenant que ma mère est tirée d'affaire, moi, j'en remercie le ciel. Je veux faire mon aumône pour Djibril. Et comme nous n'avons pas encore le cadre légal et que nous n'avons pas les fonds que je souhaite récolter au cours de cette année pour faire ces aumônes pour l'école à la maison, mais aussi pour les placements abusifs, je vous demande chacun ce soir de partager ce live partout pour sauver Djibril, pour récolter les 6 000 euros dont Maître Hamas a besoin, pour commencer le plus rapidement possible pour récupérer cet enfant. Alors, pourquoi ils ont enlevé l'enfant, me demande Belkast inquiète. Alors moi, j'ai pas à le dire, évidemment, vous comprenez quand même qu'il s'agit de choses privées. La seule chose que je puis vous dire, c'est que Maître Hamas, qui est un avocat sérieux, compétent, a pris le dossier. Ça veut dire qu'il pense qu'effectivement, il y a placement abusif. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il y a quelqu'un qui nous dit, Roman, j'aimerais participer, mais il n'y a pas le lien de la… Alors, je vais le rajouter sous la vidéo. Je l'ai mis tout à l'heure dans le chat. Je vais le réafficher. Voilà. Si tu peux, tu peux pas le mettre sous la vidéo pour que les gens puissent le. Si, si, je vais le mettre sous la vidéo aussi. Là, je viens de le mettre dans le chat. Voilà. Voilà. Vous le mettez là, on le regarde là. Djibril, 4 mois. Voilà, très bien. Je reparlerai de Djibril tout à l'heure. Je reviendrai sur la morale qui a permis effectivement de sortir ma mère de l'enfer dans lequel elle se trouvait. Et
tout de suite, je vais vous présenter, ou il va se présenter tout seul, Fili le Guinéen. Salam alaikum Fili. Alaikum salam wa rahmatullah. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi, Fili. Merci. Merci d'avoir accepté de venir. Alors, on va parler d'une chose qui surprend beaucoup les gens. Je voudrais d'abord... oui, le live sera retransmis, qui me le demande, Chaf officiel 92. Bien sûr, tous les lives sont retransmis à la fois sur Facebook et sur YouTube. Donc, Fili, il est guinéen. Il a quel âge, Fili? Je suis né en 82. Ça lui fait quel âge? Ouais, 38 ans. 38 ans, c'est un mec, hein, quoi. C'est un bon homme. Et donc, je suis ravie de recevoir un homme ce soir, un homme qui est un père de famille. Il est marié. Il a 6 ou 7 enfants. Je ne me souviens plus, 7. J'attends le septième. Enfin, voilà, voilà, il y en a 6 qui sont déjà dans ce monde dans lequel nous nous trouvons, et il y en a un 7e qui est en chemin. Alors, le titre de ce live, c'est « Départ en Afrique pour sauver les enfants ». Alors, tout de suite, avant de donner longuement la parole à Fili, ce que je vais vous dire, c'est que le mot « Afrique » peut parfaitement être changé par Amérique latine, ou par Russie, ou par Asie, ou par tout autre dans lequel, évidemment, on pourrait imaginer s'installer pendant une période donnée pour mettre nos enfants à l'abri, parce qu'en France, les attaques sont particulièrement virulentes et impitoyables. Le cas de Djibril, par exemple, dont je viens de vous parler, vous montre bien que si cet enfant avait pu partir avec sa mère à temps, eh bien, effectivement, aujourd'hui, il ne serait pas dans des tuyaux qu'on ne connaît pas, parce que figurez-vous qu'on ne sait pas où se trouve le petit Djibril. C'est-à-dire que non seulement la mère ne le voit pas, mais la mère ne peut même pas le localiser, la grand-mère également. Alors, pourquoi nous avons fait ce live? On me dit que c'est un live de fuite, de lâcheté, de refus du combat. Bon, alors, avant de donner, et ensuite je me tais la parole à Fili, je veux répondre à cela. Il ne s'agit pas d'une décision qui nous paraît forcément la meilleure, parce que vous le savez maintenant, le parti pris que j'ai, c'est celui du combat. Mais en même temps, je suis une femme responsable, j'ai 62 ans, je suis mère de famille moi-même, j'ai été enseignante, je suis militante depuis plus de 40 ans, ça fait 45 ans maintenant. Et entre la situation de Djibril, n'est-ce pas, et le départ en Afrique ou en Amérique latine ou en Russie ou en Asie, évidemment que j'ai choisi. Je le dis aujourd'hui dans ce live parce que notre vocation à Roman et moi, c'est de trouver des solutions concrètes. Ce n'est pas de passer un temps indéterminé à baratiner sur le net sans qu'à la fin, on ait pu mettre en avant un certain nombre de propositions concrètes qui peuvent être utilisées, le cas échéant, par un certain nombre d'entre vous. Parce que, évidemment, ce départ hors de France ne pourra pas être pris en charge ni réalisé par tout le monde, mais je veux simplement en parler parce que j'ai au téléphone des gens qui ne l'envisagent même pas parce que tout simplement, ils n'y avaient pas pensé. Et lorsqu'on le leur dit, ils se disent « Ah ben oui, je pourrais le faire ». Et il y en a qui l'ont fait et qui ont pu sauver leurs enfants. Donc, ce qui à Roman et moi ou à Fili paraît extrêmement évident et n'aurait pas constitué d'emblée un sujet de live, eh bien finalement devient un sujet de live parce que dans nos contacts avec les familles, on se rend bien compte que j'ai l'impression qu'ils ont même bouché le circuit des idées à l'intérieur d'un certain nombre de cerveaux. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, et puis ensuite, le fait d'en parler, ça rend, le projet accessible. Et puis, c'est là où les uns et les autres, on peut s'entraider pour la faisabilité de ce projet en se donnant des idées les uns aux autres. Donc, Fili, toi, tu as mis tes enfants et ta femme en sécurité. Mmh. Et j'aimerais bien que tu nous racontes le début de ce parcours qui fait qu'aujourd'hui, tes enfants sont en Guinée, loin de cette situation qui a fait que le petit Djibril s'est vu emporté par la police et des assistantes sociales, loin de sa pauvre maman aujourd'hui qui est dans un état catastrophique. D'accord. Ben, avant tout, je voudrais remercier le Seigneur et ensuite Roman et toi. Vous avez été une grande source d'inspiration donc dans ma décision de partir en Afrique. Alors moi je suis né en 1982, donc ça me fait 38 ans. Je suis marié, ça fait 15 ans. J'ai grandi en région parisienne. Ma femme également, et on est
originaire de la Guinée. Donc, je situe un petit peu la Guinée. C'est entre le Sénégal et le Mali, donc en Afrique de l'Ouest. Et la langue officielle là-bas, c'est le français. Et voilà, c'est un pays qui a eu son indépendance en 1958. Donc voilà pour la petite histoire. Maintenant, en ce qui me concerne, j'ai en 2011, avec donc à ce moment-là, on était sous Sarkozy, j'ai commencé à sentir que voilà, il y avait un climat qui n'était qui était malsain. Donc voilà, il y avait toujours des polémiques. Je sentais que on voulait diviser les différentes communautés qui composent la France. Des polémiques sur le voile. On commençait déjà à parler de la réforme du programme de l'éducation nationale et tout ça. Et à cette époque-là, j'avais trois enfants et j'ai eu peur pour eux. J'ai eu peur pour quand je voyais toute la dépravation, la mauvaise évolution des mœurs, quoi. Et ma femme et moi, on s'est senti incapables donc de faire face à ça. Donc premièrement parce que j'avais pas tellement les moyens. Dire j'appartiens à la classe des prolétaires entre guillemets et que j'avais pas les moyens de mettre mes enfants donc dans une école privée. Ou faire l'école à la maison, parce que c'est pas donné à tout le monde, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Donc avec ma femme, on s'est concerté et puis on s'est dit que on allait essayer d'aller élever nos enfants dans un endroit plus approprié, qui va nous permettre voilà de les éduquer comme nous l'entendons et essayer de les préserver donc des méfaits de ce monde et de la tournure qu'il prend. Donc parallèlement à ça, donc bon, dans mon cercle proche, je discutais voilà avec certains frères, certains amis de ce qui se passait et comment est-ce que ils envisageaient un futur à moyen long terme, est-ce qu'ils se voyaient rester ici en France ou est-ce qu'ils s'imaginaient donc dans d'autres horizons. Et à travers ces discussions, donc je me suis retrouvé avec quatre frères, quatre amis, qui avaient le même projet que moi, qui avaient le même ressenti, les mêmes sensations, les mêmes craintes. Et on s'est mis d'accord pour partir en Afrique. Donc on a commencé à faire des réunions entre nous. On se voyait une fois par semaine et on a commencé à fixer une date pour le départ. On s'est donné un an. On s'est donné un an pour réunir le maximum d'argent, de se préparer pour rendre les appartements et faire voir comment est-ce qu'on allait assurer les moyens de subsistance là-bas en Afrique. Et on s'est mis d'accord pour partir en Mauritanie. Donc, la Mauritanie, c'est un pays arabo-africain qui se trouve entre le Maroc et le Sénégal. Voilà, c'est le carrefour. C'est le carrefour entre l'Afrique subsaharienne et le monde arabe. On s'est dit qu'on allait aller là-bas. Pourquoi? Ben parce que en fait c'est un pays voilà qui nous permet voilà ben de d'éduquer nos enfants comme on veut. L'État c'était pas difficile d'y accéder. Il suffisait d'avoir un passeport français et quand vous êtes là-bas ben vous pouvez vous installer même avec peu de moyens. Quand je dis peu de moyens, pour vous donner un ordre d'idée, dans la capitale à 10 km du centre-ville, vous pouvez trouver jusqu'à aujourd'hui hein, des terrains qui sont à 2000 euros, à 5 minutes de la mer. Voilà. Ensuite, pour construire avec 5000, 6000 euros, vous pouvez vous construire une petite maison. Voilà. Après, ça dépend des bourses, mais le temps pressait, parce que les enfants, ils grandissent vite, les événements aussi
ils passent de plus en plus vite. Comme j'avais une petite bourse, mes amis aussi, on a choisi la solution, voilà, la plus facile. On s'est dirigé vers la Mauritanie. Le problème qu'il y avait, c'était comment est-ce que on allait vivre là-bas. Parce que bon, ça c'est un secret pour personne. La situation économique en Afrique, elle est difficile. C'est-à-dire que quand vous avez eu l'habitude, quand vous avez grandi dans un pays où l'économie est planifiée, où vous ne vous souciez pas donc de mourir de faim, de chercher à manger, parce que bon, il y a quand même un État qui est présent, il y a les aides sociales, etc. Dans l'Afrique, à ce niveau-là, bon, c'est un peu plus difficile d'être livré à vous-même. L'État n'a pas les moyens donc de subvenir à vos besoins lorsque d'être en difficulté. Attends, est-ce que je peux t'interrompre, Philippe? Parce que là, tu soulèves une question très intéressante. Tu dis qu'il n'y a pas d'aide sociale, et c'est vrai que vu d'Afrique, la France est un pays de cocagne absolument génial, dans la mesure où l'État, Providence, alors quand on entend le terme État-Providence, il faut tout de suite, c'est un terme qui est dans le langage courant analyses économiques, il faut tout de suite se méfier parce qu'en fait, il n'existe que la divine providence. Et là, on se rend compte que la divine providence a été remplacée par l'État providence. Donc déjà, c'est un pas de plus vers la fracture de nos liens entre la terre et le ciel. Donc ça, c'est très grave. Et c'est grave pourquoi? Parce que nous allons nous retrouver les otages et surtout les produits de l'État-providence. Les produits de l'État-providence, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que nous sommes de la marchandise pour l'État-providence, c'est-à-dire que ce sont eux nos propriétaires. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a, et on le remarque de plus en plus désormais, plus il y a d'aide sociale dans un pays, plus les enfants, les vieux, les handicapés, les malades, tous les faibles leur appartiennent, les forts également aussi, puisque nous sommes d'aller travailler en permanence pour leur bénéfice, finalement nous leur appartenons et nous devenons des produits. Donc qui dit caisse d'allocation familiale dit évidemment une certaine facilité de vie dans le pays en question, mais nous ne comprenons pas quand même que c'est celui qui paye qui possède. Dès lors qu'il paye pour nos enfants leur appartiennent. Et tout le problème est là. Parce que j'allais te le dire justement, Philippe, l'histoire de Djibril aurait-elle pu avoir lieu en Afrique? Ah non, pas du tout. Ah non, 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 pas du tout. C'est de l'ordre de l'impensable. On n'en retire jamais un enfant à ses parents. Et là, ça provient justement du fait que, comme on le disait tout à l'heure, nous sommes tributaires du reversement d'un certain nombre d'allocations dont on a pensé que c'était un progrès évident parce que ces ressources permettaient évidemment à des familles de subvenir à leurs besoins quand leur insertion professionnelle ne le permettait pas. Mais en vérité, on s'est rendu compte que l'insertion professionnelle qui se réduisait comme une peau de chagrin était elle aussi voulue, comme l'illettrisme à l'école, n'est-ce pas? Et puis, une fois que tout le monde est dans la misère et qu'on dépend effectivement de l'argent de l'État-providence, même si vous en avez certains qui vous disent « Oui, mais cet argent, c'est à moi, c'est mes impôts. » Ben non, parce que c'est pas toi qui le détiens et c'est pas toi qui vas choisir le choix de la distribution. Donc, c'est bien leur fric à eux dans la mesure où c'est eux qui en font exactement ce qu'ils veulent. Eh bien, cet argent-là va servir à voler des enfants, à tuer des vieillards, à euthanasier des handicapés, j'en passe, des vertes et des pas mûres, et aussi à financer des écoles et des médias qui sont là pour mettre en place la corruption de la jeunesse notamment. Donc l'Afrique, effectivement, c'est probablement, et nous le savons, moi j'y ai vécu dans différentes régions, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique de l'Ouest, eh bien, la vie n'y est pas, entre guillemets, aussi confortable, mais aujourd'hui, quel est le plus grand confort qu'on puisse avoir en tant que père et mère? C'est d'avoir nos enfants près de nous, sans nous les faire voler, sans nous les faire corrompre. Aujourd'hui, il est évident que la petite jeune fille et Sandrine, qui est sa mère, eh bien, donnerait tout pour être dans un coin d'Afrique avec le petit Djibril sans qu'on puisse le leur prendre. Absolument.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer et donc nous raconter la suite de ton parcours ? Vous étiez quelques amis, disais-tu. Vous avez pris la décision de partir. Vous avez d'abord préparé ce départ sur un an. Et ensuite, qu'est-ce que s'est-il passé ? Donc, pendant ce temps-là, les enfants et la femme étaient, vos femmes et vos épouses étaient, vos épouses et vos enfants étaient donc en France. Oui, oui, on était, absolument, on était donc en France. Et on s'est fixé une date. Donc ça nous laissait un an donc pour nous préparer financièrement et administrativement pour pouvoir quitter, donc c'est-à-dire faire des passeports, avoir les visas, etc. Bon, comme moi je suis d'origine malienne et guinéenne, je suis détenteur donc voilà du passeport malien. Ça m'a permis de rentrer facilement en Mauritanie, parce que vous n'avez pas besoin, quand vous êtes marocain, algérien, sénégalais, de visa pour rentrer en Mauritanie. Donc cela dit, pendant cette année-là, on s'est préparé. Et bon, à l'époque, moi j'avais 3 enfants. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Donc j'ai acheté ma voiture, j'ai acheté une voiture, un break, et on a fait le trajet par la route. Et avec mes amis, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un système de binôme. Donc on était 2 groupes. Moi avec mon binôme, on a trouvé un employeur, voilà, en France, à Paris, qui a accepté de nous prendre en système alternatif. C'est-à-dire que moi, une fois que je suis en Afrique, ben mon binôme, il va rester 1 mois et demi, 2 mois en France sur le poste. C'est le 2 en 1 en fait. Vous faites 2 en 1. Exactement. Le 2 en 1, c'est-à-dire qu'à 2 hommes, vous faites un salarié, ce qui vous permet quand l'un travaille de garder le poste et l'autre rejoint femme et enfant là-bas et vous faites ensuite le tour de rôle. Exactement, c'est ça. Comme on était novices en matière voilà de vie à l'africaine. Et de la débrouille, c'est-à-dire voilà, se passer de l'État à Providence. Donc on a pris cette sécurité au cas où il y aurait un pépin, on aurait quand même quelques économies pour pouvoir réagir. Donc voilà, c'est... Alors je voudrais que tu répondes à Kelek Kabi, parce qu'on va interrompre régulièrement malheureusement ton récit avec des questions qui te sont posées. En Afrique, il s'est passé ce que l'on appelle l'Arche de Zoé. Vous vous souvenez, c'est la même chose partout, je pense. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi ? Non, en fait, c'est pas, ouais, c'est pas la même chose. L'histoire là de l'Arche de Zoé, bah, c'est passé à la télé, mais je veux dire, c'est pas le quotidien, quoi. C'est pas, ça se passe pas tout le temps. C'est-à-dire que nous, on n'est pas en train de dire qu'en Afrique, ce serait le paradis sur Terre. On ne le dit pas. D'ailleurs, le paradis n'est pas sur Terre. Donc, la première chose qu'on doit peut-être préciser à ceux qui nous écoutent, c'est qu'on n'est pas tombé dans une espèce d'imagination folle, d'imaginer quelque part un Eldorado où nous serions dans une sécurité paradisiaque. Ce n'est pas le cas. Ce dont nous parlons, et ensuite je te redonnerai la parole, Philly, c'est que nous avons connaissance de l'existence d'un certain nombre d'endroits sur Terre qu'on peut appeler des pays dans lesquels le processus de corruption des enfants et d'enlèvement des enfants n'en est pas au même stade. C'est-à-dire que dans ces pays d'Afrique, tous les pays d'Afrique aujourd'hui n'ont pas une institution qui s'appelle l'ASE et qui a pignon sur rue et tous les pouvoirs, alors même qu'il s'agit d'une institution qui ne passe qu'au civil et pas au correctionnel, parce qu'on n'a rien à reprocher à ses parents. Ses parents ne sont pas des délinquants ni des criminels. Tout est jugé au civil. Eh bien, lorsque l'ASE est saisie par des signalements anonymes, rendez-vous compte, est-ce qu'il y a des signalements anonymes dans le domaine de l'enfance en Afrique ? La réponse est non. Il n'y a pas de gens
qui peuvent signaler des familles avec l'objectif de leur faire retirer leurs enfants parce qu'une institution existe pour cela. Cette institution n'existe pas. Il n'y a pas non plus dans le domaine de l'instruction en famille. Quand nous partons, moi je suis partie plusieurs années en Égypte et j'ai instruit là-bas mes enfants, je n'ai été embêtée par personne. Tous les emmerdements que j'avais en France ont disparu comme un rideau de fumée à la limite où je suis au moment où je suis arrivée au Caire. C'est-à-dire que mes enfants pouvaient s'instruire selon le programme que moi j'avais conçu sans me conformer à celui de l'éducation nationale et il n'y avait ni l'enquête sociale ni l'inspection académique sur le dos et en conséquence, pas d'injonction éventuelle à devoir rescolariser mes enfants ou bien à me retrouver encore avec des problèmes avec la justice. Et mes enfants ont pu grandir dans un climat au sein d'un foyer où toutes ces menaces avaient disparu. Maintenant, est-ce à dire que j'étais en Égypte pour faire de la politique ? La réponse est non. Pour m'engager dans le mouvement révolutionnaire à l'époque contre Moubarak, parce que on est arrivé en plein dedans, ou plutôt 4 mois avant, la réponse est non. Nous ne parlons ici, je crois que tu vas aussi le confirmer, Philly, que de considérations domestiques, éventuellement provisoires, pour permettre à des enfants qui sont en danger dans la République française de trouver une base arrière ou grandir tranquillement, de faire des grossesses aussi tranquillement. Est-ce qu'on imagine aujourd'hui, avec la loi du 2 août dernier qui est passée à l'Assemblée et qui va probablement être validée par le Sénat, que des mamans aujourd'hui vont être dans la situation où on va leur tuer leurs enfants à 9 mois à terme dans leur ventre, soi-disant. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est possible en Afrique, Philly ? Non, mais jamais de la vie. Ça, c'est impensable. Ah non, non, non. Alors, pourquoi c'est impensable ? Parce que c'est ce qu'il faut expliquer, c'est-à-dire que les gens confondent la situation de la politique africaine, de la de la misère africaine, du fait que l'Afrique est une chasse gardée aussi, effectivement, pour le nouvel ordre mondial et qui met ses pions avec ses multinationales, avec ce pillage des richesses. Et pourtant, nous disons que c'est un endroit possible où pendant plusieurs années on peut élever des enfants, en particulier quand ils sont petits. Pourquoi nous le disons ? Parce que nous considérons cette existence en Afrique comme quelque chose qui serait une parenthèse ou une insertion dans un monde dans lequel on construirait un cocon pour permettre aux enfants de grandir en sécurité, parce que tout l'environnement africain le permet également. Toutes les institutions de la République française qui touchent actuellement à la liberté, à l'intégrité morale et sexuelle des enfants n'existent pas en Afrique. Est-ce que ça veut dire qu'en Afrique, il n'y a pas de pédocriminels ? Bien sûr que si. Est-ce qu'il n'y a pas d'enlèvement d'enfants ? Bien sûr que si. Mais il n'y a pas, tu me confirmeras ou m'infirmeras, Philly, la mentalité de consentement qu'on peut trouver en Occident, d'une part, et d'autre part, les institutions gouvernementales qui le légalisent. Absolument, absolument. Ben déjà, faut savoir que le lien, l'Afrique, malgré tout ce qui se passe, ils n'ont pas coupé avec le ciel. C'est-à-dire que voilà, les valeurs traditionnelles, la tradition primordiale, elle est toujours là. Que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens. Ils ont toujours voilà la tradition primordiale. La famille, la croyance en Dieu. Je dis pas que ça existe pas en Occident, mais c'est beaucoup plus fort en Afrique. Après, maintenant, quand tu vas parler de confort, qu'on est plus heureux, de pauvreté, etc. Après, c'est relatif. C'est-à-dire si tu vois que la richesse pour toi, c'est avoir ton BM, avoir le dernier iPhone, toutes les dernières technologies, effectivement, tu vas voir et tout que l'Afrique, c'est un endroit qui est peu confortable, etc. Mais par exemple, pour la personne qui aime la liberté, qui aime le calme, qui aime la nature, qui aime le bio,
qui veut être en accord avec ben voilà avec je sais pas comment dire, qui aime les animaux, qui enfin une personne comme ça, elle, qui veut développer sa spiritualité et qui est vraiment terre à terre et qui se contente de ce dont elle a besoin. Où est-ce qu'elle va trouver cette richesse-là? C'est pas ici. Donc c'est important, voilà, de souligner ça. Parce que, bon, ici, bon, moi j'ai vécu quand même 30 ans en France, on vit pour manger. En Afrique, on mange pour vivre. Voilà, c'est des concepts qui sont complètement différents. Par exemple, en Afrique, les gens ils se soucient pas trop du lendemain. Tandis que nous, ici, on se soucie, voilà, du lendemain, on est toujours dans des calculs. Après, bon, c'est à chacun de voir, d'examiner sa conscience. Même bon, quand vous marchez dans les rues ici en Occident, bah, c'est beaucoup plus difficile de trouver des sourires ou des gens avec qui dialoguer qu'en Afrique. Alors, je voudrais dire quelque chose parce qu'il y a de très bons commentaires. On te dit, bon, mais les hôpitaux en Afrique, c'est problématique. Bon, on voit bien aussi en France maintenant que ça devient de plus en plus chaud, hein. Donc, on va pas parler que de l'affaire des hôpitaux. On te dit, mais ils font des vaccins, c'est vrai, mais ici, vous n'y achèterez pas davantage. Donc là, de toute façon, on reprécise qu'on n'envisage pas l'Afrique comme étant un paradis sur la terre ad vitam aeternam. On dit que ça peut être, pour certains d'entre nous, dans certaines conditions, comment dirais-je, un espace de sécurité dès lors qu'il a évidemment été préparé et dans lequel on peut se rendre avec un certain nombre de moyens. Il est évident que partant de France, avec un certain nombre de ressources, l'Afrique ne sera pas pour vous du même tonneau que pour ceux qui, dans des situations beaucoup plus dramatiques là-bas, ont envie de quitter ce continent pour aller en Europe. Parce qu'en vérité, voilà de quoi nous parlons. Nous disons simplement que nous comprenons que la vie en Afrique encore, il faut bien la connaître, cette Afrique, pour savoir que c'est pas si horrible que ça. On nous en donne toujours une image absolument désastreuse. Moi, je pense que c'est une propagande qui est faite à dessein, justement, pour que ce continent ne serve pas de base arrière à ceux qui voudraient fuir la destruction de l'humanité qui commence en Occident, je veux dire en Europe. Donc, il est possible de retourner à des sources spirituelles, y compris même à un mode de vie matériel qui est tout à fait honorable et qui soit en faveur d'une éducation que vous pourrez délivrer à vos enfants en toute liberté. En toute liberté. Et si vous avez aujourd'hui, imaginez, on reparle de cela parce qu'il ne faut pas l'oublier, je vous demande de participer à la cagnotte du bébé Djibril qui est actuellement dans les griffes de la ZE, qui a besoin, comme tout bébé, de retourner dans les bras de sa mère, de retrouver la douceur de sa grand-mère. Je vous conjure de participer à cette cagnotte. Nous avons besoin, pour payer l'avocat Maître Amas, de la somme de 6 000 euros pour que soit engagé les actes juridiques qui permettront à Maître Amas de récupérer cet enfant et de le rendre à sa mère. Je vous rappelle qu'il a été élevé, enlevé par la police le 14 juin dernier et par les assistantes sociales de l'ASE, que cet enfant a été enlevé à un mois, que depuis il n'a pas revu sa mère, que sa mère ne l'a pas revu ni sa grand-mère, et que les deux femmes ne savent pas où leur bébé est parti. Donc, si nous voulons aujourd'hui envisager la construction d'un mouvement qui nous permette de nous entraider, de nous sauver, de nous soutenir les uns les autres, ça commence comme ça. Ça commence par soutenir Djibril, ça commence, comme je vous l'ai dit dans des lives précédents, par faire en sorte que sur le terrain, nous soyons solidaires. Sans cette solidarité-là, on crèvera les uns après les autres. On sera tous pris dans les filets du mondialisme, l'un après l'autre, famille après famille, et nous verrons les nôtres péricliter, périr, sans que personne ne bouge. Je veux que ce live soit une leçon pour tout le net, pour tous ceux qui disent que l'enfance est une préoccupation. Nous devons mettre en place aujourd'hui des réseaux de solidarité, des réseaux de solidarité concrets. La parole ne suffit pas.
Sinon, ce n'est que du barata. Il faut poser de l'argent dans une cagnotte pour tirer Jibril des griffes de l'ASE et pour que sa grand-mère et sa mère le retrouvent. On revient à cette question africaine, puisque nous disons justement que cette affaire de Jibril, comme tant d'autres affaires analogues, n'aurait pas eu lieu dans les pays africains. On peut dire aussi que n'aurait pas eu lieu, je dirais, en Amérique latine ou dans des pays d'Asie que je connais beaucoup moins, sans pour autant évidemment prétendre que nous avons affaire à une situation idyllique, je l'ai dit, paradisiaque, où il n'y aurait pas de pédocriminalité. Non, je dis que venant de France, je ne sais pas si tu es d'accord, Philly, est-ce que lorsqu'on vient de France et qu'ici on est harcelé, qu'ici on est menacé, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une perspective dans un pays d'Afrique où pendant quelque temps on pourra y faire grandir les enfants en toute sécurité? Bien sûr, bien sûr. Le fait donc d'être persécuté et tout ça en France par rapport au choix que tu as fait concernant l'éducation de tes enfants, tu pourras te préserver en venant ici. Et contrairement à ce que l'on pense, t'as énormément de structures en Afrique qui vont te permettre, tu vois, d'éduquer tes enfants comme tu l'entends. La pédocriminalité, l'enseignement de l'homosexualité et même l'hypersexualisation des enfants. En Afrique, il n'y a pas ça. Ici, il n'y a pas toutes ces choses-là. Et c'est même quand ils entendent parler de ça aux infos, c'est très très mal vu. Et les gens, ils sont pas prêts à accepter. Tu penses, toi, Jibril, tu vois, je suis habité par ce bébé. Tu penses, Philly, qu'il y a moins de consentement en Afrique, par exemple, qu'en Europe? C'est-à-dire? Ben dans le domaine de la sexualisation des enfants, du consentement à l'infanticide qu'on vient de voir par exemple, y a moins de consentement à la corruption des enfants en général, quoi, et à la destruction de leur fitra, c'est-à-dire de leur innocence. Mais jamais de la vie. Ça et tout, comment dire, c'est très très mal vu. Ouais, c'est très très mal vu. Alors, est-ce que tu pourrais reprendre donc ton récit, parce qu'on doit s'interrompre malheureusement, ou heureusement bien sûr, pour répondre aux questions des gens, sinon ils n'auraient pas nos réponses. Est-ce que donc, après ce séjour, le premier séjour que tu as fait, c'était donc en Mauritanie? Voilà, donc on était en Mauritanie, dans la capitale, qui s'appelle Nouakchott. On s'est installé au début donc en centre-ville. Et on a trouvé des écoles. On a inscrit nos enfants à l'école. Et on est resté dans le centre-ville. Donc dans le centre-ville, il y a tout ce que vous trouvez en Europe. Voilà, vous le retrouvez là-bas. Ça va coûter un petit peu plus cher parce que ce sont des produits importés. Mais voilà, le confort que vous avez quitté en Europe, vous allez le retrouver. Et je pense que pour toutes les personnes qui aimeraient donc émigrer ou faire vivre ce type d'expérience, je leur conseille au début donc d'aller dans le centre-ville, d'essayer de retrouver leurs repères avant d'aller donc à la campagne ou bien dans le désert, enfin de s'isoler un peu plus. Donc on est resté là-bas donc pendant un an et demi. Et ça commençait à devenir un petit peu cher. Et j'ai cherché à acquérir une maison. Donc j'ai acheté un terrain. À l'époque, je l'avais payé 1 700 euros à 10 kilomètres du centre-ville. Donc là, ça y est, là vous rentrez donc dans le Sahara, dans le désert. Et j'ai commencé à construire là-bas. Et au bout de 2 ans, j'ai quitté le centre-ville et je m'y suis installé. Donc on était avec des bédouins, et des Africains. Il faut savoir que la Mauritanie, c'est un pays, c'est un peu comme le Brésil. Vous avez des Noirs, vous avez des Métis,
Vous avez des Arabes, c'est un peuple qui est très métissé et polyglotte. Il y en a qui parlent arabe, il y en a d'autres qui vont parler des dialectes africains, notamment du Sénégal. Et on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de place, beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Et en fait, vous pouvez laisser vos enfants dehors. Vous pouvez laisser vos enfants dehors, et c'est ce qui nous manquait en France. Voilà, avec un salaire de 1300 euros, je me voyais mal avoir une maison en France avec mes enfants. Ouais, c'est donc ouais, c'était pas possible. Par contre, là-bas, ben, j'ai pu construire une maison. Mes enfants, ils avaient de la place. Et en vivant avec les gens, donc on a appris beaucoup de choses. Déjà, on a fait connaissance avec les animaux, avec les moutons. Là-bas, voilà, vous avez des moutons, des chèvres, vous pouvez les élever, des poules. Et comment dire, comme bon, il y avait un manque de d'infrastructures de distribution d'eau et d'électricité, ben ça nous a poussé donc à apprendre donc voilà tout ce qui est travaux publics, maçonnerie, le bâtiment, etc. Et j'ai appris avec mes fils à installer des panneaux solaires, faire de la plomberie, la maçonnerie. En fait, bon, ce que ici l'État fait en France, bah, nous, c'est à nous de le faire là-bas en Afrique. Et je me suis rendu compte, en fait, que je découvre la vie, la réalité de la vie. Comment me débrouiller tout seul? C'est-à-dire que, supposons qu'il y ait un effondrement économique, bah, en restant en Afrique, en vivant comme eux, ça va me faire ni chaud ni froid. Parce que je saurais me débrouiller seul. Par exemple, creuser un puits pour aller chercher de l'eau, faire pousser de la menthe, des salades, on va pouvoir le faire. Et ici en France, bon, c'est sauf à ceux qui vivent dans les régions rurales, bah, c'est pas possible, c'est très très rare. Donc voilà, on vivait comme ça. Il y a Naïma qui te demande en Mauritanie quel est le regard de la loi du pays concernant les obligations en termes de santé et d'éducation de l'enfant. Alors là, je vais dire quelque chose. Moi, quand j'étais en Égypte, par exemple, je me suis absolument pas préoccupée de savoir quelles étaient les lois du pays dans ce domaine et personne n'est venu ni me les apprendre, ni m'enquérir de quoi que ce soit dans ce domaine. J'imagine qu'en Mauritanie, c'est pareil. Y a rien. Il y a rien. Non, non, il y a, comment dire, il y a aucune loi, aucune restriction, aucune obligation. Vous faites ce que vous voulez. Et Voilà, pourtant, tu n'es vous. pas mauritanien, tu es guinéen. Donc, si tu le dis, c'est pour avoir vécu effectivement en Mauritanie. Ouais, j'ai vécu 9 ans là-bas. Ouais, j'ai Alors, vécu. tu parles de toi et qu'en était-il de ta femme? Et on verra ensuite pour tes enfants. Donc ma femme, donc bah, elle faisait l'école à la maison. Donc nous, ce qu'on faisait, on faisait l'école à la maison. Et j'ai tenu à ce que les enfants, à la maison, on parle que le français. Voilà, pour que les enfants, voilà, ils aient un bagage en plus plus tard, si jamais ils ont envie de voyager. Enfin, c'est toujours bien, voilà, d'avoir une autre langue. Et bon, par contre, quand ils étaient avec leurs camarades dehors, ils ont appris donc des dialectes africains. Et ils ont appris l'arabe et à une vitesse incroyable. Alors, excusez-moi, je suis en train de perdre le fil. Je sais plus ce que tu me disais, Farida, la question que tu me posais. Allô? Oui, la question que tu me poses, que je te posais, c'était de savoir comment avait vécu ta femme en Afrique. Est-ce qu'elle est partie, on a compris, avec le même projet que toi, vous n'étiez pas en conflit, vous étiez tous les deux d'accord, mais sur place, est-ce qu'elle a été déçue? Est-ce qu'elle a réussi à se construire une existence? Est-ce qu'elle a pu, bah, se satisfaire du lieu où elle était arrivée? Ah oui. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas envie de revenir. Elle n'a pas envie de revenir. Bien sûr, il y a toujours la famille qui va lui manquer, ses meilleurs amis, mais l'envie, la gravité de la situation concernant les enfants, c'est plus fort que tout.
c'est-à-dire et tout, la préservation des enfants, ça c'est quelque chose de innégociable. Je sais même pas comment est-ce qu'on on peut polémiquer comme ça. Ça c'est mon point de vue, mais il y a même pas moyen. Il y a pas moyen. Et ça, comment dire, c'est ça qui lui permet de tenir, le fait de savoir que là-bas elle est libre avec ses enfants, qu'on va pas enseigner à ses enfants n'importe quoi, qu'ils vont pas être élevés avec le consumérisme, qu'on va pas leur apprendre à devenir des consommateurs, métro, boulot, dodo, etc. et tout ça. Non, là-bas elle est tranquille. Elle fait ses activités, de temps en temps, bon, elle fait de la couture. Elle a l'internet là-bas, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, bon, il y a la 4G, même dans le désert. Voilà, vous avez la 4G. Vous pouvez, alors ça, c'est bien pour l'école à la maison et pour rester en contact avec les amis qu'on a laissés en France. Voilà, absolument, absolument. Vous pouvez rester en contact avec vos amis, ouais, très très facilement. Et voilà, suivre un programme régulier à la maison. Voilà pour ceux qui veulent faire l'école à la maison. Voilà ce que je peux dire. Voilà en ce qui concerne mon épouse, elle a pu faire un jardin, faire pousser des tomates, s'occuper des animaux et transmettre ça. En fait, voilà, ces valeurs qui pour certains ne représentent rien et qui en vérité sont, je pense, les bases de la vie. Très, très important. Très, très important. On va savoir d'où l'on vient, la terre, parce qu'on vient de la terre, c'est de la terre que sortent les aliments que nous mangeons. Apprendre à respecter la nature, respecter les animaux. Quand vous vivez dans un endroit avec, je sais pas, tout qui est des plats au micro-ondes, etc., etc. Bah, vous êtes coupé en fait du lien avec la terre ou avec le ciel. Alors on te dit, Marie te dit, il faut un point de chute, des connaissances, point d'interrogation. C'est une question qui peut concerner, je le disais tout à l'heure, d'autres continents que celui de l'Afrique. Est-ce qu'il faut un point de chute et des connaissances? Si on a bien compris. Allô. Ah, Farida, on t'a perdu là. Ah, oui, ouais. Je disais moi aussi quand je suis partie en Égypte avant d'y aller pendant 3-4 ans, j'ai d'abord fait des voyages de prospection pour savoir dans quel coin du Caire j'allais pouvoir trouver du travail là-bas, etc. Évidemment, ça se prépare. Mais je répète encore une fois que c'est une perspective qui peut prendre l'Afrique pour direction, mais aussi un tout autre continent comme l'Amérique latine, dès lors qu'on est décidé à protéger ses enfants de ce qui se passe de pire ici et qui ne peut pas encore avoir lieu là-bas. Voilà. Mmh. Tiens, Philly, quand on passe d'un partenaire à l'autre, d'un interlocuteur à l'autre, il faut que tu mettes ton micro sur off. D'accord. Parce que sinon, ça fait du bruit, les gens, ils ont l'écho. D'accord, ok, très bien. Voilà, puis après, je te redonne la parole et tu la prends en déverrouillant ton micro toi-même. Ok. Donc, je disais que on était dans cette perspective de rechercher des bases de repli, des bases arrières, pour permettre à des enfants petits, voire même à sauver des adolescents de la délinquance. Il faut bien comprendre que moi, j'ai vu des parents, par exemple, partir, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Sénégal, pour sauver leur fils et maintenant même leur fille, puisque avec l'égalité homme-femme et même cette égalité qu'on appelle maintenant femme-homme, conduit finalement à ce que tout le monde soit délinquant. Voilà, aussi bien les garçons que les filles. Et bien, des départs dans ces pays africains ou latino-américains ou russes éventuellement pour être… la Russie, je connais pas vraiment. J'ai un peu voyagé là-bas, mais je connais pas aussi bien que l'Afrique. Je sais qu'en Afrique, avec peu de moyens, on peut effectivement parvenir à, extirper
nos enfants d'une intégration dans la République française qui est mortifère. Parce qu'on reproche beaucoup aux musulmans de refuser l'intégration. Bah, moi, je vais répondre que, en effet, cette intégration est à refuser par les musulmans, mais pas seulement, par les chrétiens aussi, y compris par les agnostiques, puisqu'il s'agit d'une intégration qui est en fait une désintégration de l'être et de la personne. Hein, si l'intégration c'est devenir un cocaïnomane, pédocriminel, attaché uniquement au sexe et à l'argent, on peut pas parler d'une intégration, on ne peut parler que de désintégration. Et aujourd'hui, un type comme Zemmour, il ferait bien de fermer sa bouche, puisque en fait ce qu'il demande lui en bon traître à la France chrétienne tout en faisant semblant de la défendre, c'est de continuer la trahison, c'est-à-dire de continuer le ralliement à la République maçonnique. Malheureusement, beaucoup de catholiques le suivent. Eh bien, ils scient la branche, ils l'ont scié déjà depuis si longtemps, mais ils continuent de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Donc, nous parlons de l'Afrique, nous pourrions parler, je le répète, d'autres régions du monde. Il s'agit de trouver ici, pour certains d'entre nous, évidemment, il ne s'agit pas d'une recette magique qui pourrait s'appliquer en tout temps, en tout lieu, à tout le monde. Mais nous cherchons à montrer que nous ne sommes pas si attachés que cela, nous qui vous parlons, à ce matérialisme qui a corrompu pratiquement tout ce pays, puisque les gilets jaunes ne parlent plus que de fric, on se demande où est-ce qu'on est tombé. Eh bien, il reste en France des gens qui sont orientés vers la lumière et en l'occurrence vers une meilleure éducation, une éducation digne de ce nom pour leurs enfants. Et parfois, il n'y a pas d'autre solution que de foutre le camp. Et quand on est dans la situation, par exemple, du petit Jibril aujourd'hui, ben, je peux vous garantir que s'il avait fui avec sa mère au Maroc, si sa mère y avait pu penser, mais bon, les choses n'ont pas eu lieu de cette façon-là pour lui, ben, aujourd'hui, il serait encore en train de téter le sein de sa mère. Philly. Oui, je t'écoute. Oui, donc je disais que après tout cela, tu en es arrivé. Tu es passé de la Mauritanie à quel pays? Alors de la Mauritanie, je suis parti en Guinée. Voilà, en Guinée-Conakry, comme je le disais au début, je suis ma mère est guinéenne, mon père il est malien. Donc j'ai décidé donc d'aller dans le pays de ma mère. Parce que, en fait, il y a eu des élections en Mauritanie. Et vous savez, en Afrique, bon, des fois, quand il y a des élections, bon, il y a quelques troubles. Et j'ai préféré, voilà, quitter et retourner donc dans mon pays d'origine. Et bon, il faut que je vous dise aussi, quand, en fait, vous êtes étranger, ben il faut à chaque fois renouveler donc la demande de résidence et c'est pas forcément évident voilà à chaque fois, mais la principale raison pour laquelle je suis parti en Guinée, c'est que mon objectif en allant en Afrique au bout de voilà quand même bon de 2-3 années, c'est d'essayer de trouver quelque chose à faire sur place. Voilà, de faire quelque chose en Mauritanie. Mais étant étranger, les possibilités elles sont très très restreintes. Et je vous donne un exemple. Par exemple, si vous voulez faire de la pêche ou bien avoir une licence de taxi, il faut que vous soyez mauritanien. Et moi, ça m'a poussé donc à essayer d'aller dans un pays où je n'aurais pas de problème, oui. Oui, tu es parti dans un pays où tu pouvais avoir les papiers dans le sens la conformité à l'État-nation, quoi. Voilà, exactement. Donc, je suis rentré chez mes parents, donc voilà, en Guinée. Et voilà, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Ça a été beaucoup, beaucoup plus facile parce que, bon, quand j'étais en Mauritanie, bon, j'étais étranger, j'étais seul. Tandis que quand je suis arrivé en Guinée, bah, il y avait déjà la maison que ma mère avait construite. Il y avait mes oncles, mes tantes, mes cousins donc, qui m'ont aidé. Tout à l'heure, il y avait une auditrice qui posait la question, est-ce qu'il faut avoir un point de chute? Oui. Voilà, donc si vous allez donc voilà
vous entreprenez ce type d'aventure, c'est bien d'avoir un point de chute. Si c'est votre pays d'origine, moi, c'est ce que je vous conseille. Ça va être le plus facile au niveau administratif et aussi au niveau des relations, parce que voilà, quand on vous voit arriver d'Europe, bah les gens ils pensent que voilà, vous avez beaucoup d'argent et tout ça, et des fois voilà, il y en a certains ils peuvent vous jouer de sales tours, mais la majorité des gens ils vont essayer de vous aider, mais vous pouvez tomber voilà sur des escrocs. Maintenant, avec une famille sur place, ça va être beaucoup plus simple, vous allez gagner du temps. Et en Afrique, voilà, c'est les relations qui font avancer les choses. Maintenant, si vous voulez aller dans un pays où vous n'avez aucune relation, le mieux c'est d'aller le visiter. En ce qui concerne la Mauritanie, moi j'étais déjà parti en 2009 pour visiter, et je me suis installé donc dans une auberge de jeunesse. Vous en avez pour à peu près 4-5 euros par jour, donc je pense que c'est accessible à n'importe quelle bourse. Et voilà, j'ai prospecté, je me suis renseigné donc voilà sur les conditions de vie, sur les loyers, sur le prix donc des denrées alimentaires de base, le riz, le sucre, l'huile, le prix de l'essence, les conditions d'entrée, etc. Pour pas trop cher. Alors, il y avait une question aussi, Philly. Est-ce que quand on est blanc, on peut envisager d'aller en Afrique, par exemple, et y mener... Bien sûr. Il y a beaucoup de Libanais. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Libanais. Il y a des Arabes. Il y a des Français. Donc, là, je vous parle de la Mauritanie ou bien de la Guinée? Comme tu veux, l'un ou l'autre. Alors, en Mauritanie, vous pouvez venir en tant que blanc. Il n'y a pas de problème. Sauf que il n'y a pas beaucoup de touristes en Mauritanie. De manière générale, les gens qui viennent en Mauritanie, soit ce sont des ONG ou bien des professeurs de français ou d'anglais. Et voilà, c'est pas très très touristique la Mauritanie. Sinon, il y a des gens voilà qui viennent pour faire des, comment est-ce qu'on appelle ça là, les randonnées, dans des trekking dans le désert, des randonnées dans le désert. Mais bon, depuis les événements qu'il y avait eu avec le Paris-Dakar, ça s'est beaucoup estompé. Par contre, dès que vous dépassez donc la Mauritanie, à partir du Sénégal, que ça soit le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée, vous allez voir, il y aura beaucoup beaucoup plus d'occidentaux. Vous avez beaucoup beaucoup de Chinois, voilà. Il y a beaucoup de Chinois donc qui viennent avec leurs entreprises. Ils collaborent avec l'État donc pour le développement des infrastructures, voilà ce genre de projet. Vous avez beaucoup beaucoup de Libanais, beaucoup des Syriens, des Libanais. En fait, ça c'est dû donc au passé colonial, c'est-à-dire que la France à l'époque. Donc, quand elle administrait l'Afrique occidentale, elle utilisait donc les Libanais, donc de l'époque, comme peuple intermédiaire avec les autochtones. Donc, ils faisaient venir des Libanais en Afrique, notamment au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, pour jouer rôle d'intermédiaire entre les populations autochtones et l'administration française. Et ces derniers sont restés même après leur indépendance, et ils sont devenus donc africains à part entière. Voilà, ils ont de Libanais que, on va dire, que la peau, mais sinon ils sont très très bien intégrés. Et, voilà, ils connaissent pas le Liban, ils ont pas envie d'y retourner. S'ils y retournent, c'est juste pour saluer leur famille, mais sinon voilà, ils sont parfaitement africains. Et les blancs, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, pas seulement dans le centre-ville, mais même dans les banlieues et tout ça, et ils vivent très très bien. Ils vivent très très bien. Il n'y a pas de racisme, pas de discrimination. Ils sont très très bien vus.
Là encore, tu as une question, bon, tu viens y répondre. Hein, comment ils vont faire, ceux qui sont originaires d'un pays européen? Bien, ils vont faire comme nous, on a fait quand on est arrivé en Europe. Ils vont faire pareil. Ils vont se retrouver dans la même situation et ce sera peut-être certainement une situation enrichissante. Comment ils ont fait nos parents qui, ayant quitté ou la Brousse, un village de Brousse ou un village de Kabylie, comment ils ont fait quand ils sont arrivés ici en France ou comment ils ont fait quand ils sont arrivés en Allemagne? Ben, vous ferez la même chose. Alors, ça se passera de la même façon. Et puis, l'amitié, heureusement que Dieu nous l'a mise dans le cœur de façon, comment on dit, sans frontières. Bon, c'est un terme que j'aime pas trop parce que il est très utilisé par les francs-macs maintenant dans la perspective de solidifier évidemment les bases de leur gouvernement mondial pourri, là. Mais sans frontières, oui, on a un cœur sans frontières, ce qui est vrai. On peut dire qu'on peut aimer d'une manière sans frontières, même s'il est important, évidemment, qu'une certaine homogénéité culturelle jette les bases d'une authentique communication, parce que si on se comprend pas, on peut pas s'aimer non plus. Bref, c'est pas le sujet. Alors, toi, tu as donc les enfants, la mère des enfants là-bas, et il semblerait que toi, tu sois en France. Alors, ça, c'est une question importante. Pourquoi, toi, es-tu en France? Est-ce que tu vas en Afrique ou est-ce que tu restes ici en France et que, entre guillemets, tu te serais débarrassé de la femme et des enfants, alors? Ah non, 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 pas du tout. Bon, comme je vous expliquais, en fait, c'est pour raison économique. Voilà, c'est pour raison économique. Voilà, là-bas, pour trouver un travail, c'est pas comme en France. C'est différent. Et les salaires, voilà, ils sont pas aussi élevés qu'en France. Et ayant grandi ici et après avoir eu, voilà, l'habitude d'avoir un certain train de vie. Bon, pourtant, bon, moi, j'ai, voilà, je touchais 1200, 1300 euros. Pas grand chose. Mais, bon, je me suis toujours habitué à ça. Et, en fait, délaisser, ce salaire-là et, vivre comme, un Guinéen, qui, on va dire, le salaire moyen, c'est peut-être, aller 70 euros, 80 euros. C'est pas facile. Moi, je vous dis, franchement, c'est pas facile. Et Donc, en gros, si j'ai bien compris, tu fais l'immigré. Ça, c'est génial. Parce que je pense que c'est effectivement une solution. Hein. Je reste toujours dans la perspective de sauver les gosses de l'horrible mise en place de toutes les procédures de corruption et de destruction qui leur sont réservées ici en France. Eh bien, le papa reste ici, travaille, se sacrifie. Et par son travail, il gagne des euros et des euros sont démultipliés en Afrique pour faire vivre la femme et les enfants en sécurité, c'est cela. Voilà, exactement. Pour vous donner un ordre d'idée, supposons que voilà, je travaille un mois ici en France, bah, ça me permet de vivre allez, 5 mois bien en Afrique. En Afrique. D'où voilà. La nécessité, d'où l'idée du binôme. C'est-à-dire voilà, que exactement. Sur un poste, vous pouvez je reprends l'idée parce que j'ai eu l'impression que les gens n'avaient pas compris. Sur un poste de travail ici en France, salarié en France, avec des accords avec évidemment le patron en France, vous pouvez être deux ou trois sur un même poste et tourner et faire le tour de rôle. Exactement. Le travail gagne la somme de vie pendant 6 mois et ensuite il s'en va et laisse la place au deuxième qui vient lui aussi récolter le pécule dont il aura besoin pour partir à son tour rejoindre femme et enfant. Voilà, c'est ça. Donc voilà, avec ce système, ben ça me permet voilà de nourrir ma famille correctement sans demander quoi que ce soit. J'ai pu les inscrire donc dans des bonnes écoles. D'ailleurs, ils parlent très très bien le français, peut-être mieux que nous même, parce que c'est l'héritage colonial, c'est le français colonial en fait. Voilà, c'est pas le langage de banlieue, là-bas, il n'y a pas ça. J'ai appris des mots de français quand j'étais, en fait, ouais, quand je suis là-bas, j'en apprends tous les jours. Après, ça me permet, voilà, donc, d'avoir une voiture, de pouvoir, soigner mes enfants sans demander, quoi que ce soit à personne. Et de voilà d'avoir une vie décente, voilà, sans excès non plus, une vie décente.
une vie décente, on disait qu'on l'aurait eu en France. Eh bien, il ne s'agit plus de décence effectivement en France. Il s'agit d'illettrisme, de sexualisation et autres joyeusetés qui ont fait de nos enfants des malheureux. Alors évidemment, la vie en Afrique, qu'elle soit au nord, à l'ouest ou au sud, elle est différente. À certains égards, elle peut être plus difficile. Mais les contreparties sont aussi absolument énormes. Tu le disais tout à l'heure, Philly, il y a plus de liberté finalement dans des régimes politiques qu'on dit plus dictatoriales et moins démocratiques qu'en France. Mais on se rend compte que la liberté finalement a son champ d'application. Moi, je préfère être libre de faire l'école à la maison plutôt que d'être libre de créer des partis pour raconter des conneries. Par exemple. Excuse-moi, tu peux répéter, Fariba ? Oui, je disais, moi, je préfère, parce qu'on parle de ces régimes politiques dictatoriaux dans les pays africains, mais je dis que la liberté est une conception, a une conception différente selon le choix qu'on fait soi-même. C'est-à-dire que personnellement, je préfère être libre de faire l'école à la maison plutôt que de créer un parti pour raconter des conneries. Ah ouais, absolument. Absolument. Voilà, je préfère être libre d'élever mes enfants, d'avoir une vie de famille la moins attaquée possible, parce que je considère en effet que la famille est à la base de tout. Et Roman qui se tait, on va lui demander son avis. Ouais, Farida, tu m'entends ? Oui, je t'entends. Ah oui, j'ai cru que j'avais un problème de micro parce que je parlais, mais on ne m'entendait pas a priori. Voilà. Oui, alors, tout à fait. Quel est ton avis ? Que penses-tu de la perspective que nous offre aujourd'hui Philly ? Sachant, je le répète, qu'il ne s'agit pas d'une solution définitive, d'une solution qui s'applique à tout le monde, d'une solution qui peut être se généraliser, je viens de le dire, ou qui peut être envisagée sur un coup de tête. Il s'agit quand même de penser les choses, Roman. Bah moi, je pense qu'effectivement, il faut peut-être effectivement chacun revoir les priorités. Et bon, quand on est père de famille, quand on est mère de famille, et voilà, quand on est responsable, je pense que compte tenu du contexte actuel, du moins en France et plus généralement en Europe, effectivement, il vaut mieux, enfin pour ma part, en tout cas, je pense mettre les voiles dans l'intérêt de nos enfants, c'est-à-dire quitte à se sacrifier un peu comme Philly le fait, puisque il passe quand même beaucoup de temps en France, loin de sa famille. Mais je pense qu'effectivement, pour subvenir à leurs besoins et qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles, eh ben, en fait, il faut savoir se sacrifier pour protéger les enfants. Normalement, moi, pour ma part, j'ai peut-être une vision un peu... cette vision-là des choses quand cela est possible, c'est-à-dire que l'homme serait au travail en France parce qu'effectivement, les conditions de revenus, comme l'a dit Philly, sont différentes en Afrique, sont pas les mêmes en Afrique qu'en Europe, ça c'est évident. Donc effectivement, vaut mieux peut-être opter pour une solution où l'homme travaillerait 3 à 4 mois ou 5, 6 mois dans l'année en France et puis on verrait le nécessaire pour sa famille en Afrique. Alors, ce que je trouve intéressant, oui, c'est une bonne solution, parce que ce que je trouve intéressant, c'est que ça va être une possibilité qui est donnée au couple de restaurer la norme naturelle de l'homme qui travaille, qui porte le fardeau de l'apport des ressources au foyer, et de la femme qui, dans le foyer, se préoccupe justement de sauver les enfants, de les élever. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, en France, une femme ne peut plus élever ses enfants au vrai sens du terme. L'homme ne peut plus être le protecteur de la famille. Donc, si effectivement, il faut l'envisager, ce retour à la tradition, en envisageant que l'un reste en France pour subvenir aux besoins et que l'autre aille en Afrique pour justement accomplir sa mission d'éducatrice, eh bien, l'échelle est plus grande, mais la restauration s'est accomplie. Et puis, il faut dire que le sacrifice, il est quand même relatif, dans la mesure aujourd'hui où les réseaux sociaux, les moyens de communication étant ce qu'ils sont, un homme qui travaillerait 2 mois en France pour y rentrer ensuite 6 mois, y repartir 2 mois et revenir 6 mois, c'est vraiment un sacrifice qui est tout à fait faisable. D'abord parce que les WhatsApp et Skype et tous les réseaux sociaux… Oui, il y a Internet. Puis il y a Internet maintenant. L'Afrique, elle est desservie par Internet. Donc, voilà, font que le père peut être présent comme s'il était entre guillemets à la maison. Et puis, puisqu'ils mettent en place
cette mondialisation, eh bien, il faudra, pourquoi pas, nous aussi, trouver forcément des solutions dans la mondialisation qui nous est actuellement imposée. Pourquoi pas quelqu'un qui travaille en France pour nourrir une femme et des enfants qui vivraient en Afrique, par exemple. Pourquoi pas? Et je peux vous dire que cet homme qui serait dans cette situation, a priori comme ça, vu de loin, on pourrait le plaindre, mais en fait, il serait beaucoup plus chanceux que celui qui est menacé chaque jour de se faire piquer ses gosses, de se les faire tester, de se les faire sexualiser. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, ben non. Absolument. Absolument. Bon, après, c'est vrai qu'en Afrique, je ne sais pas, moi, je ne suis pas allé partout, hein, mais bon, et après, y a un temps de, on va dire, d'acclimatation, pas forcément, je ne dis pas ça par rapport au climat en lui-même, mais aux coutumes, etc. Ce n'est pas forcément les mêmes coutumes qu'on a l'habitude, y compris au niveau de la nourriture, etc. Ça peut changer un peu, mais franchement, on s'y fait très, très vite. Très, très vite. Ça, il n'y a pas c'est de... Vrai. Il n'y a pas de problème. Enfin, moi, je n'ai pas eu de problème par rapport à ça, par exemple. De toute façon, quand on part en tribu familiale, on est beaucoup plus adaptable que quand on part tout seul. Moi, il me semble. C'est-à-dire qu'on a tout de suite des choses à faire, des objectifs à atteindre, une famille à mettre en place tout seul. On aurait tendance… Moi, je vois la différence entre le moment où je voyageais seul quand j'étais jeune et le moment où j'ai voyagé avec ma famille. C'était pas du tout la même ambiance personnelle, hein, je peux vous le dire tout de suite. C'est-à-dire que le sens de la responsabilité que j'ai eu avec les enfants que j'ai dû installer m'a tout de suite mis sur les rails, alors que sur les bons rails, je dirais, la bonne direction. Alors que quand on est seul, on peut errer, déambuler et perdre son temps et ne rien construire dans ces pays-là. Mais quand on est avec des enfants, on est tout de suite beaucoup plus riche sur le plan de la responsabilité. Alors Farida, par exemple, je ne sais pas, je te pose une question pour, par exemple, des enfants, on va dire, qui seraient menacés ou en voie de placement ou ce genre de choses. Même si, bon, il n'y a aucune décision de rendu, mais si on voit que ça commence à sentir mauvais, puis de toute façon, vu ce qui se passe maintenant dans les écoles, au collège, au lycée, etc., de toute façon, je pense que ce n'est pas une bonne idée de rester avec ses enfants comme ça. Quand on a des enfants en bas âge, encore plus, en France, c'est très, très risqué. Par exemple, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour des femmes qui sont seules? Parce que là, on a parlé du cas de Philly, où on a en fait une famille unie, où il y a l'homme, la femme et de nombreux enfants. Mais qu'en est-il quand on a affaire à une femme seule avec un ou plusieurs enfants? Il faut alors trouver une compagne pour partir avec elle qui serait dans la même situation. C'est pour ça que j'ai proposé que mes auditeurs, et au-delà d'ailleurs, commencent à créer des pages Facebook de solidarité et d'entraide, que ce soit pour l'école à la maison, à partir de l'école à la maison d'ailleurs, pour qu'on puisse aussi envisager l'exil si la situation finissait par le nécessiter. Parce que effectivement, vous vous retrouvez subitement signalé, vous l'apprenez fortuitement, il y a des gens qui l'ont appris fortuitement que de l'existence d'un signalement qui pouvait conduire leurs enfants à l'ASE, ils n'ont pas hésité, ils sont partis. Ceux qui restent prennent le risque de jouer en jouant à la roulette russe, de se voir embarquer les gosses quelques mois plus tard. Voilà, donc il faut forcément déménager, comme dirait Oum Mouslima II, il faut déménager avant tout jugement. Voilà, il ne faut pas attendre un jugement pour déménager et il faut les informer. Une fois que le départ a lieu, je pense que c'est une solution. Sarina Sassa, j'ai une question pour Philly. Où sont passées les personnes qui étaient avec toi pour partir en Mauritanie? Est-ce qu'ils sont restés avec toi là-bas? Alors, sur quatre, en fait, bon, on était cinq. Après, on était quatre. Il y en a un qui est parti au Sénégal. Donc, on s'est retrouvés en fait à quatre. Il y en a deux qui sont rentrés. Il y en a deux qui sont rentrés. Et je peux t'assurer, donc, ils regrettent beaucoup. Parce qu'ils ont été contraints donc de remettre leurs enfants à l'école et ils ont les services sociaux sur leur dos.
Et voilà. Et voilà. Alors, il y a Pierre SC, si vous êtes d'accord, messieurs, qui souhaiterait intervenir. Roman, est-ce qu'il est possible de permettre à Pierre de venir nous parler? Parce qu'il dit, c'est dommage qu'on puisse pas partager pour témoigner. J'ai un ami, Kevin Noiseau, aussi, qui est là. Et il voudrait parler de certaines solutions et témoigner. Alors, si vous êtes d'accord tous les deux, on peut peut-être les faire monter? Bien sûr. Écoutez, ce que je vais faire pour que ça soit plus simple, je vais mettre directement le lien du StreamYard dans le chat. Et puis, de toute façon, oui, je peux faire ça. Il n'y a pas de problème. Alors, allons-y pour Pierre SC, qui va se retrouver dans les coulisses et que tu fais monter. Voilà. Donc, je viens d'envoyer le lien sur le chat. Voilà. Donc, qui, Pierre, c'est Madame Belgoul, Monsieur Reumann. S'il vous plaît, regardez le chrono. Live à rallonge. Oui, je sais. Je l'ai regardé. Live qui perd des chances d'être réécouté ensuite, c'est vrai, c'est vrai. Alors on va voir, et pas forcément la génération TikTok, exact. Alors si on arrive à voir un nouveau témoignage de Pierre, et ben écoutez, on l'écoutera et on finira après lui. Sinon, on va finir maintenant parce qu'il a effectivement 1h30 de durée. Quitte à revenir sur ce genre de sujet, Philly, qu'est-ce que tu dirais toi en conclusion? Donc moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment donc de prendre en considération ce qui se passe. Est-ce que voilà, en restant ici, vous allez pouvoir voilà, affronter donc ce gouvernement mondial, ce système qui veut tout manger, nous asservir, nous transformer en machine de consommation, prendre nos enfants, etc. Est-ce que on va avoir la force, voilà, donc de combattre ça? Celui qui peut, moi je lui souhaite bon courage et il a vraiment tout mon soutien. Maintenant, celui qui se sent faible, qui sache que voilà qu'il y a des solutions. Et comme vous l'avez dit, Farida au début, donc c'est quelque chose vraiment, il faut voir au cas par cas. Il y en a qui vont pouvoir le faire, à qui c'est approprié, et d'autres où voilà, qui vont pouvoir rester et combattre sur place. Voilà, c'est à chacun de voir. Voilà, et puis c'est pas une lâcheté de partir, au contraire, c'est un grand courage. Certains m'ont dit oui, mais tu vas faire la propagande de la réémigration, c'est comme ça qu'on l'appelle. La remigration, mais moi je me moque totalement des délires nauséabonds des uns et des autres qui n'ont que l'idéologie dans l'âme et qui ne sont passés de la situation d'être humain à imbécile mondain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sort des enfants. Donc, je me moque si les solutions qui nous paraissent les plus adaptées font plaisir à nos ennemis. Ce qui m'importe, moi, c'est de sauver ces enfants-là. Donc, si ça convient à nos ennemis, grand bien leur fasse, on en reparlera le jour du jugement. En attendant, je me moque de ce que pense l'extrême droite, l'extrême gauche, la gauche ou la droite, on le sait, je n'ai jamais été affilié ni aux uns ni aux autres, contrairement aux rumeurs qui circulent sur moi. Ce qui m'importe, moi, c'est d'être pragmatiquement dans une direction qui soit utile. Alors, Farida, il y a Pierre SC qui vient d'arriver dans le SAS, je pense qu'on peut le rajouter. Oui, ou alors, comme il est 1h35, on lui demande de nous parler peu de temps et de prendre rendez-vous pour un live avec lui, comme le proposait tout à l'heure Naïma Brucker. Voilà. Alors, vas-y, fais-le monter. Bonjour, Pierre. Bonsoir. Bonjour. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, très bien. Alors, bonjour. Déjà, je tiens à vous remercier. Moi, je suis Kevin, en fait, l'ami de Pierre. Donc après, s'il voudrait dire un mot, je lui laisse la parole. Donc, c'était quoi votre question? Vous aviez un témoignage sur les questions que nous sommes en train de débattre depuis tout à l'heure. Oui, c'est ça, sur les enfants, oui. Oui, en fait, si je peux rajouter quelque chose, moi, j'ai connu une mère, en fait, qui s'était fait enlever ses enfants. Et donc, y a eu pas mal de manifs qui ont été faites, là, anti-pédocriminalité à... Le dernier, c'était le 6 ou le 7, je sais plus trop la date. Place de la Bastille, le 6. Et donc après, comme solution, nous, on peut vous mettre en contact avec notre amie Aline qui a créé une pétition Enlèvement abusif de mes enfants.
Et là, elle a créé plusieurs pétitions. Elle a été relayée aussi sur la chaîne YouTube Non Pas Ça. Et moi, je pensais que vous nous parler de la solution qui consistait, parce que c'est notre sujet de ce soir. Oui, après, la France, oui, après c'était pour vous partager le témoignage de la pétition d'une amie qui s'est enlevée ses enfants. Quoi. Donc, après, oui, sur la solution… On peut faire un live séparément. Vous m'écrivez à contact. Oui, merci. Mouvement. Votre mail. JRE.com, voilà. Et on fera, voilà. Si vous voulez, une émission, mais on ne peut pas… Oui. Émission avec un autre sujet, même si je sais oui. que voilà. Merci Farida. Justement, nous on pense que lorsque des oui. enfants sont menacés de ce dont vous parlez là, comme a fait le live, il peut y avoir une solution en partant vite. Moi, je peux vous dire une chose, quand des enfants, par exemple, ça m'a été soumis comme cas, ont été violés dans des circonstances. Oui, oui. Y compris institutionnel, et je dirais surtout institutionnel, des mamans m'ont appelé pour me dire je porte plainte, et j'ai dit si vous portez de plainte, vous êtes morte, vous et l'enfant. Ouais, mais je connais très bien l'affaire parce que justement, ils poussent les mères. Ce n'est pas des affaires que vous connaissez parce qu'elles n'ont pas été rendues publiques. Mais ça, on peut en parler à un autre moment. On peut en parler à un autre moment. On peut en parler à un autre moment, oui, parce que. Voilà, alors vous m'écrivez et on produit, on prévoit une émission là-dessus sur. Sur tout ce dont vous vouliez parler, parce que je ne veux pas mélanger, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc, est-ce que vous permettez de vous retirer du live et vous m'écrivez et on se parle à l'extérieur? D'accord, merci. Donc, votre contact, c'est… on va faire quelque chose, ne vous inquiétez pas. D'accord, contact GRE. Après, juste pour finir, je pense que le Gabin, il a fait sa vidéo, il a raison, il faut retirer les enfants déjà parce qu'il y a le masque là, ça c'est sûr, il faut retirer les enfants des écoles. Et donc, là, elle est en train de créer un réseau pour avancer sur ça. Mais je pense qu'un jour ou l'autre, il faut que nous, les adultes, ils puissent retirer les enfants qui sont dans les foyers. Parce que eux-mêmes, les enfants, ils attendent que ça, ils attendent que les adultes fassent un pas. Et c'est ça la solution. Mais ça, après, c'est il faut que les constituants s'orientent vers nous, enfin vers des personnes qui ont. Parce qu'en fait, le problème, c'est que on est dans une situation que c'est la victime qui doit informer les autres pour que les autres bougent. Alors voilà, c'est la raison pour laquelle je vous dis. C'est la raison. C'est juste pour finir sur ça. Oui, mais je comprends. Il est 1h40 de l'émission. Vous êtes à la fin. Moi, je vous propose d'être au début. Donc, on me dit laissez-le parler. Il y a quelqu'un qui dit laissez-le parler. Il se présente, laissez-le parler. Oui, mais moi, je pensais qu'il se présente pour parler de l'éventuelle possibilité de se barrer à l'étranger. Tout autre sujet ou perspective. Oui, c'est ça. Toute autre perspective. Elle peut être débattue avec nous. Il n'y a aucun problème. C'est pour ça que je vous dis, vous m'écrivez. D'accord, et on voit avec Roman une émission sur ma chaîne. Mais je ne voudrais pas que dans l'émission qui consiste à dire à certains parents, partez quand il est encore temps, en particulier lorsque… Oui, non, mais c'est ça. Voilà. Il y a des mères qui ont fait ça, qui ont réussi à partir en Bulgarie ou je ne sais plus quel autre pays, mais il y a un pays dans l'Europe où il est possible de se réfugier parce que les mères sont pourchassées. Il y en a même qui partent aux États-Unis. Si j'ai un conseil à donner aux maires, parce qu'ils s'attaquent vraiment à toutes les personnes, que tu sois catholique, justement, protestant, musulman ou tout ce que tu veux, c'est dans les protocoles de Toronto, c'est marqué. Ils veulent s'attaquer à la cellule familiale. Et il y a Gouasmi, il a eu raison de faire son appel pour vous, pour qu'on s'unisse tous, parce que, et c'est ça. Nous aussi, il nous faudrait quelqu'un qui puisse lancer un appel d'union. Mais le problème, c'est qu'il manque l'union. Et c'est ce qui est primordial aussi. Eh bien, ouais. Ça, j'aimerais bien en parler justement en live avec vous. Ça m'intéresse beaucoup, vraiment. Merci beaucoup, Farida. On est prêts de se quitter. Voilà, pas que l'émission soit trop longue. Après, le live n'est pas regardé. Oui, non, mais on a d'autres trucs à faire. Et du coup, on doit partir maintenant. Alors, moi, j'attends que vous m'écriviez, n'est-ce pas? Oui. On programme un live ensemble sur ce sujet. Mais merci beaucoup. Au revoir, les amis. Courage. C'est moi qui vous remercie d'être venu et à très bientôt. Donc, à très bientôt. Merci. On va conclure sur le départ en Afrique ou le départ dans toute autre région du monde, dans des conditions où, évidemment, on arriverait à réunir les ressources
qui permettrait, eh bien, finalement, de restaurer une espèce de vie traditionnelle où l'homme travaillerait pour son foyer, c'est-à-dire la femme et les enfants, et où la femme travaillerait effectivement pour la sécurité des enfants et leur éducation, avec évidemment des aménagements qui sont pas typiquement traditionnels, dans le sens où si comme Philly l'homme est en France tandis que la femme est en Afrique, eh bien l'autorité de l'homme n'est pas tout de suite évidemment sur le terrain, mais par l'intermédiaire des réseaux, eh bien ils peuvent avoir quand même leur papa sur tout le réseau internet qui permet que chaque soir le père en France peut parler à ses enfants, peut parler à son épouse et peut manifester sa présence. Et puis surtout sur cette idée de binôme ou de trio sur un poste, quand c'est possible évidemment, à tour de rôle, on peut se rendre dans les pays africains, ou alors il y a tellement de solutions que vous pourriez trouver pour le financement de votre repli en Afrique ou ailleurs, des choses qu'on peut pas dire ici, mais que vous pourriez facilement finalement envisager par vous-même. Il peut y avoir des cagnottes justement qui se fassent pour vous dans la famille. Il peut y avoir la solidarité du quartier aussi, qui dans certaines conditions dramatiques où vous serez conduit à devoir partir avec les enfants peut œuvrer. Il y a toujours des solutions pour celui qui prend la bonne décision, parce que la divine providence, elle, elle voit vers quel axe on se dirige. Et lorsque l'axe monte vers le ciel, eh bien, notre protecteur suprême est là, et quand les bonnes décisions sont faites par les parents, eh bien, je suis certaine, et nous l'avons vérifié maintes fois, n'est-ce pas, Roman, que Dieu vient à la rescousse. Voilà. Ah oui, tout à fait. Quand les, bah ça, on a cessé de le répéter, mais on le répétera jamais assez. Quand les parents vont dans le sens de la protection de leurs enfants, Dieu vient à leur secours et à leur aide. Comme on dit, quand on fait un pas vers Dieu, il en fait 10 vers nous. Voilà. Et puis ceux qui méprisent les femmes qui travaillent pour leurs gosses et qui font à manger, eh bien, on en reparlera quand leurs gosses, malheureusement, seront placés. Là, peut-être qu'ils reverront les choses de manière différente. Parce que. Oui, Roman. Ouais, j'aimerais juste rajouter quelque chose. Bon, je vais un peu guetter la cagnotte de temps en temps. Donc, il y a quelques personnes qui ont donné, s'il vous plaît, pour tous ceux qui écoutent encore ce live, qui sont encore présents à l'antenne, je vous demande à tous ceux qui ne peuvent pas participer à la cagnotte, parce que, bon, ils n'ont pas forcément les moyens, même si vous donnez 10 euros, c'est ils peuvent donner même 1 euro. Même 1 euro, si vous êtes 100 à le faire, ça fait 100 euros déjà. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir, c'est avec le nombre que ça va peser. Et donc, je vous demande à tous ceux qui nous écoutent déjà de participer à cette cagnotte, même si ce sont des faibles montants, il n'y a pas de honte à avoir par rapport à ça. Et puis, de toute façon, vous pouvez participer anonymement si vous ne voulez pas que votre nom apparaisse, il n'apparaîtra pas. Partagez au maximum cette cagnotte, parlez de cette histoire. On a fait un résumé de ce qui est arrivé à cette pauvre dame, Shafali, la petite, c'est presque une enfant, hein, la jeune adulte à 19 ans qui s'est fait, on peut le dire, placer son bébé abusivement par les services de l'ASE, alors que l'enfant n'avait qu'un mois. C'est-à-dire que l'enfant est né au mois de mai. La police, accompagnée des services de l'ASE, est arrivée au mois de juin, mi-juin, en forçant la porte donc du domicile de la fille, pour prendre donc l'enfant et le placer. Donc, la mère ne sait même pas où elle est. Donc, s'il vous plaît, partagez, parce que c'est vraiment. Partagez la cagnotte et soyons utiles, n'est-ce pas? Soyons utiles et puis soyons solidaires. Merci Roman, tu fais bien de le dire. Soyons utiles. Que ces lives ne soient pas des séances de psychanalyse, de gens dépressifs qui entendent passer comme au café du commerce le temps pour ne rien faire. Nous sommes dans des lives qui doivent être pris en considération sérieusement et qui doivent déboucher sur des actions. Vous avez cet enfant de 1 mois aujourd'hui entre les griffes de l'ASE. Sa maman de 19 ans et sa grand-mère de 50 ans recherchent cet enfant car ils ne savent même pas où il est. Elles ont donc impérativement besoin d'un grand avocat comme Michel Hamas qui seul, avec son talent, est en mesure peut-être,
Inch'Allah, de récupérer l'enfant. Vous devez impérativement participer à cette œuvre grandiose, d'essayer de faire en sorte que Jibril, Inch'Allah, retrouve sa maman et sa grand-maman. Voilà, là-dessus, je vous laisse. Partagez la cagnotte. Je préfère que vous partagiez la cagnotte plutôt que de partager ce live. Voilà, ou partagez les deux si vous, le cœur vous en dit, parce que dans ce live, il y a aussi ces appels impératifs, impérieux à participer à cette cagnotte pour Jibril. Je compte sur vous. Nous allons être 1000, 1500 ou 2000 à regarder ce live. Si chacun d'entre vous donne quelque chose pour Jibril, Dieu le sauvera et il vous sauvera aussi le moment venu, ça j'en suis sûr, parce que ce que nous semons, eh bien, nous le récoltons. Je vous souhaite une bonne nuit. Pensez à Jibril, priez pour sa maman Chafali et Sandrine, priez pour lui aussi. L'argent doit être porté avec les doigts, les prières. Ne nous laissons pas tomber les uns les autres. Ne nous réduisons pas à rien au regard des uns des autres. Je vous dis une chose, si nous nous entraidons, si nous faisons les uns pour les autres, ce que nous sommes capables d'attendre des autres pour nous-mêmes, nous allons tous nous en sortir. Bonne nuit. Philly, je te remercie beaucoup. Tu reviendras, c'est sûr. Tu repars en Afrique. En principe, je dois retourner aux alentours du 10 décembre. Eh ben. Je voudrais juste rajouter un petit truc, vas-y. Si tu me permets, Farida. Je t'en prie. Le fait, tu vois, de quitter sa terre, lorsque ton peuple il commence à partir entre guillemets en vrille, c'est quelque chose qui a été pratiqué par les plus grands prophètes. Ibrahim, Abraham, quand son peuple il commençait à adorer les idoles, il l'a quitté. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a quitté. Moïse, quand on parlait de la terre promise, pour quitter la terre où le polythéisme, l'idolâtrie se pratique, pour aller dans une terre plus saine. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ben, tu fais bien de le dire parce que c'est vrai. Il n'est pas obligatoire de rester jusqu'au châtiment divin au même endroit. Et tous les prophètes, de nombreux prophètes, nous ont montré qu'effectivement, qu'à un moment donné, il est bon de partir sans se retourner, si tu vois ce que je veux dire. Le prophète Lot, en l'occurrence. Allez, bonne nuit. Merci, Philippe. Inch'Allah, tu reviendras. Merci au chat. Je vous rappelle que vous devez impérativement, pour aider Jibril, pour qu'il retrouve ce petit baba, le sein de sa maman et la douceur et la chaleur de sa grand-mère, je vous appelle à participer à cette cagnotte pour que nous puissions transférer cet argent à l'un des meilleurs avocats et les plus efficaces qui puissent récupérer Jibril des griffes de laser. J'ai nommé Maître Hamas. Merci Philly. Merci Roman. À bientôt, Inch'Allah. N'oubliez pas. Merci à vous deux. Et merci aux auditeurs. Et merci à tous. À bientôt. De toute façon, nous continuerons à réclamer de l'argent pour Jibril. À bientôt, Inch'Allah. À très bientôt. Au revoir. À bientôt, Farida. Merci, hein, merci à tous. Et puis, n'oubliez pas, comme vous l'a dit Farida, partagez au maximum la cagnotte, participez à la cagnotte, faites-la connaître autour de vous, à votre famille, à vos amis. Et voilà, ne les laissons pas tomber, ils ont vraiment besoin de vous. Et voilà, ils ont besoin de nous. Nous, on a fait aussi notre part du travail parce qu'on a, comme vous l'a dit tout à l'heure, aidé ces personnes-là pour mettre en place cette cagnotte-là. Maintenant, on la partage, on fait ce qu'on a à faire, nous aussi. Et voilà, parce qu'il s'agit de deux chacun fasse ce qu'il a à faire. Voilà, ouais, il s'agit de deux femmes qui n'ont pas d'argent. La maman a 19 ans, la grand-mère a 50 ans. Ils se sont évidemment ces lâches. Ils se sont évidemment, bien sûr, ces monstres jetés sur des personnes très faibles. Et nous allons leur montrer que nous défendons les faibles. Et je compte sur vous pour défendre les faibles. Et je compte sur vous pour trouver le budget nécessaire pour permettre à Maître Hamas de récupérer Jibril des mains de ses chayatines. Bonsoir. Bonsoir Farida. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci.